Je suis donc Augustin Zinso Baguidi, je suis entrepreneur, la PDG de Sokawa TV, par ailleurs parrain du colloque sur le PAF, qui depuis deux jours durant se voit dérouler. Alors, dites-nous, vous avez accepté de parrainer quelles sont vos impressions? Il faut dire que d'entrée, ça a été une appréciation de l'audace qu'a eu ce jeune homme, je voudrais nommer Candide, qui a eu cette initiative de faire un premier colloque ici à Salalo. Vous savez d'entrée que tout ce qui est culturel et tout ce qui concerne Salalo me concerne. J'aime pratiquement toute initiative, quelle que soit l'initiative, tant qu'elle peut apporter un mieux-être, partage du savoir à notre contrée, à Salalo. Et je ne me suis pas plié. Alors donc, l'appel de Candide a été pour moi très salutaire. Donc, c'est ce qui m'a envoyé, ce qui m'a poussé à l'accompagner dans cette action. C'est vrai, d'aucuns se diront, mais comment un chrétien peut-il parrainer un collectif de travail? Oui, il s'agit de la culture. Et pour ce qui est de la culture, quel que soit le domaine que ça prend, tout ce qui est culturel, je crois que ça va. Voilà, je voudrais dire, c'est ce qui m'a amené à pouvoir accompagner Candide dans cette action. Ce qui a suivi aura une seconde, une deuxième édition. Est-ce que vous êtes toujours disponible pour continuer l'aventure? D'abord, les deux jours durant, j'ai été, moi, impressionné parce que j'ai entendu, il y a beaucoup de belles choses, l'évolution de la science, et où, dans ce domaine-là, les gens ne sont pas en marge, et ça fait plaisir de savoir. Même dans le domaine entre griffes et culturel, et les gens essaient de se mettre à jour. Alors un collègue pareil le fait régulièrement pour la mise à jour, un certain nombre pour le renforcement des capacités, pour la mise à jour de ce que nous avions, je pense que c'est toujours la bienvenue. Chaque fois que je serai sollicité, quoi que ce soit concernant le culturel, c'est quoi, je ne me ferai pas prier. Et donc, s'il y avait une deuxième, une troisième ou une énième édition, tant que je pourrais les accompagner. Et je lance au même, en même temps, cet appel aussi à toute la jeunesse, à tous les jeunes de Salalo qui ont l'intention de faire quelque chose de beau. Si l'intérêt en vaut est la peine, je ne me ferai pas prier pour les accompagner. Merci. Merci à vous.